Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 janvier et c'est l'une des fêtes les plus importantes pour de nombreux Asiatiques en France et dans le monde entier, notamment les Chinois. Il s'agit du Nouvel An lunaire, également appelé Fête du Printemps, placée cette année sous le signe du lapin. Et je me trouve ici, place de la République, pour l'une des célébrations les plus importantes à Paris. Il s'agit du traditionnel défilé du Nouvel An chinois du Marais, qui part ici, place de la République, et qui va jusqu'à la rue de la Le défilé du Nouvel An chinois du Marais revient après 3 ans d'absence due à la pandémie de Covid-19. Et pour ce grand moment haut en couleur, le public était au rendez-vous. Ariel Wail, maire de Paris Centre, Chen Tong, ministre près l'ambassade de Chine en France, Tsai Chun-Tsu, président de l'Association des Chinois résidents en France, et les représentants associatifs ont inauguré en grande pompe le défilé. Ariel Wail a présenté ses vœux et a remercié toutes les associations chinoises pour avoir aidé à préparer cet événement. Le maire de Paris Centre a également rappelé l'importance de l'année 2024 pour les relations franco-chinoises et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tsai Chun-Tsu a à son tour présenté ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité à tous les Chinois résidant en France, mais aussi à tous les Français. Chen Tong a chaleureusement présenté ses vœux, rappelant que le lapin est synonyme de paix, de tranquillité, d'agilité et de sagesse, et qu'avec la sagesse, Chinois et Français, ensemble, peuvent surmonter les crises. Dans une ambiance très festive, le cortège est ensuite parti de la place de la République pour le plus grand bonheur des adultes et des enfants. Au programme, musique et costumes traditionnels, cymbales, tambours, tigres et dragons colorés et bonne humeur.气氛是特别特别的冷，但是呢，天气气氛是特别特别的热，哎，这是我最大的感受。3年疫情过去了，大家都需要这个从危机当中走出来，一个从政治危机，从这个经济危机当中走出来。那么两国的交流也要重新开始。刚才我也说了，我们今天就从共和国广场开始，从巴黎中心区开始，从巴黎，从法国开始，所有的从低到高，所有的访问交流要重新开始。所以这是我最大的感受。 最后再讲一句，我们也期待着法国总统马克龙在兔年当中去中国访问。这场访问对中国、对法国、对世界都非常重要。 C'est incroyable, je le disais, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vécu ce défilé, mais j'avais oublié à quel point il y avait de monde, et je ne sais pas s'il y avait toujours autant de monde. Là, je suis arrivé par la rue Turbigo, par la piste cyclable de la rue Turbigo avec mon vélo, et j'ai vu des gens partout se presser, c'était incroyable. Les gens attendent ça, et je vois que les Parisiennes et les Parisiens attendaient de renouer avec cette grande fête qui est le Nouvel An chinois. J'ai juste envie de voir et de voir une autre culture. C'est sympa que ce soit, enfin justement, que ce soit la fête du printemps, et donc du coup que ça se passe... en hiver et que ça annonce le printemps, ça nous fait patienter. Le dernier grand voyage que j'ai fait avant la pandémie, je suis partie avec mon mari en Chine et c'était juste avant l'année du rat. Et donc ben voilà, on est né à Paris ce week-end et on s'est dit que c'était intéressant d'aller voir le défilé. Ça nous rappelait un peu ce voyage qu'on avait fait en Chine. Oui, bah c'est vrai que c'est toujours à cette période, donc là c'était un peu au hasard, mais c'est vraiment chouette l'ambiance, et puis ça rappelle que là c'est l'année du lapin, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va peut-être se renseigner, en savoir plus sur cette nouvelle année à venir pour la communauté chinoise. C'est le nouvel an chinois, et voilà, je suis venu pour regarder un peu comment ça se passe, et c'est quoi le genre de fête, la cérémonie que vous faites et tout, et voilà, c'est intéressant. Et je trouve vraiment que c'est une culture tout à fait différente et c'est très intéressant. Je trouve que le Nouvel An est très heureux. Je trouve que le Nouvel An est très bien.